Oui, alors d'abord, j'ai été auxiliaire de puériculture en crèche pendant plusieurs années. Et rapidement, j'ai été attirée par le monde de l'entrepreneuriat dans différents domaines, l'immobilier, l'hôtellerie. Et ensuite, j'ai cherché quelque chose qui correspondait plus à mes affinités. Alors, j'ai aimé entreprendre parce que je voulais avoir ma société. Mais c'est vrai que j'ai été au début indépendante parce que j'avais un hôtel toute seule que j'ai tenu pendant 8 ans toute seule. Donc, j'ai été attirée par le monde de la franchise parce qu'il y a cet accompagnement et on est épaulé au quotidien par le réseau. Donc, c'est intéressant de pouvoir poser des questions. Alors, Assadia, c'est un réseau qui me parle parce que je suis du domaine de la petite enfance. Et ce mode de garde est vraiment très intéressant, le garde d'enfants à domicile. Donc, en plus, Assadia a un concept différent des autres. Ça veut dire que c'est un contrat de partenariat qu'on signe avec eux. Donc, on travaille main dans la main et on a une rémunération partagée, on a un accompagnement au quotidien et on a également une charge administrative allégée grâce au support qui est basé à Lyon. Voilà, c'est un accompagnement au quotidien, c'est un support qui est présent pour répondre à toutes nos questions et c'est des connaissances, un savoir-faire qui est important de pouvoir avoir au démarrage parce qu'on a pas mal de questions souvent à poser. S'adresser à de la franchise, c'est quelque chose de rassurant. Parce qu'on a cet accompagnement et parce que on n'est pas tout seul. La création d'entreprise est facilitée et on est rassuré dans ce sens.